balobi mama mardi ne mama mardi ne balobi shop Africa Union ezo teka nyoso biloko ya ya wanani yo kongole oligi ne kola yo a sali sa yote pona kolia na yo moko babone la yo pona mtoto na yo moko ya ele popo babone la yo balobi bio bio Africa Union ezo teka tuta kola na basiwa sino kolia pa ya sino kolia ni Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Face à Face un nouveau numéro. Pour la première fois, je reçois un membre d'un parti politique, l'un des partis emblématiques de notre pays, parce que à tout moment qu'on parlera de ce parti, on parlera de la lutte contre Mobutu, la lutte politique acharnée, on va le dire, hein, contre Mobutu, quand on ne pouvait même pas dire un mot, le Palou était là. C'est vrai que le Palou a fait alliance avec Kabila en 2006. Aujourd'hui, le Palou intègre l'Union sacrée. Il y a deux Palous, mais en réalité, il n'y a qu'un seul Palou. On en parle avec le secrétaire permanent adjoint chargé de la jeunesse et des questions économiques et sociales, Maître Célestin Goma. C'est ça pour la première fois que je reçois, mais certainement pas la dernière fois. Maître Célestin, comment allez-vous? Oui, très bien, merci. C'est quand même assez, assez impressionnant d'appartenir à un parti politique aussi vieux comme le Palou, parce qu'il faut le dire, c'est les partis de l'indépendance, on va dire. Bien sûr. Oui, mais aujourd'hui, comment il se porte le Palou? Ok, les partis le plus vieux de tous les partis, se portent à merveille. C'est vrai qu'une organisation humaine peut toujours connaître des problèmes. Surtout que le Palou a perdu successivement deux de ses grands dirigeants. Oui. Le patriarche est allé en 2019, 2020, Lougui, qui était aussi notre chef, mais le fils politique et biologique du patriarche. Oui. Et aussi parti, donc nous sommes restés un peu orphelins, mais vite, nous sommes en train de nous reconstituer. Et je crois que je peux dire que nous allons très bien. Quelles sont les grandes étapes que le Palou a traversées dans l'histoire? Toutes les grandes étapes traversées par la République démocratique du Congo, oui, ont été traversées aussi par les Palous. Mais on a senti une disparition. En fait, il y a toute une confusion entre la naissance de la République, oui, la création du Palou et l'évolution même du Congo. Parce que le Palou qui est né en 1964, on est presque à la veille des élections législatives qui vont faire en ce que Tshombe puisse gagner, mais que Kasavubu nomme allié place, Kimba allié place de Tshombe. Et il y a un désordre qui arrive, finalement c'est le coup d'état du maréchal Mobutu qui arrive, et finalement dans quelques années après, c'est l'installation de la dictature. Au début, il faut combattre la dictature, mais en même temps, ce n'était pas facile, il faut voir avec l'environnement international, oui, c'est la guerre froide. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'éloigner, parce que quand on reste ici, on risque de subir les mêmes sorts que tous ces martyrs, comme tous ceux qui ont été pendus ici au stade des martyrs devant là. C'était la chasse aux nationalistes, la chasse aux lumumbistes. Bizenga, lui, étant l'héritier du trône, l'héritier testamentaire, ne pouvait pas rester ici. Il fallait s'écarter un peu du feu et finalement attendre que le temps soit propice. Mais quand on va en exil, quand Bizenga va en exil, il ne va pas se réjouir de l'argent qu'il aurait eu ici, non. Il va combattre. Il va prendre des contacts en Angola. Mm. C'est en exil qu'il va visiter à deux reprises le musée au Makidéo à Bora. Mm. C'est en exil qu'il essaye de créer des fonds de résistance à partir de l'Égypte. Et finalement, c'est le long exil à Moscou, en France. Et finalement, il revient ici. Mais pendant qu'il était absent, les militants du Palou ici, avec Mama Pakasa à l'époque,
continue la lutte. De dire non contre la dictature s'oppose, il y a des gens qui sont tués, il y a des gens qui sont emprisonnés, et Gizenga revient avant, quelques mois avant la conférence nationale, là au moins la tempête s'adoucit, le mur de Berlin n'existe plus, la guerre froide, l'Union soviétique n'existe plus, finalement il faut revenir au pays pour la redémocratisation. Et il revient, nous continuons cette lutte-là jusqu'en 2006 aux élections. Donc, les Palous a combattu contre la dictature, les Palous a combattu pour la démocratisation de ce pays, et finalement, nous voici aujourd'hui en train de mener l'effort de redresser le pays. Parce que lorsque nous commençons les régimes un peu démocratiques, parce qu'il est issu des élections en 2007, Gizenga est premier ministre, il faut stabiliser les cadres macroéconomiques, il faut revoir les contrats léonais qui ont été signés pendant les 1+4, il faut voir beaucoup d'autres choses, et l'atteinte du point d'achèvement, c'est avec les Palous. Alors, c'est vrai, mais il faut, si on revient un peu, la grande question, c'est que pourquoi avoir choisi Kabila en 2006? Parce qu'on se rappelle que l'UDPS avait refusé de participer aux élections, traitant Kabila de tous les noms. Le MLC et vous, vous avez accepté de participer à ces élections-là. Bien sûr. Pourquoi? En fait, nous ne voyons pas pourquoi refuser les élections-là, parce que la lutte du Palou depuis très longtemps avait été le retour vers la démocratie. Ça signifie qu'il fallait voir un peuple redevenir souverain afin de solliciter les pouvoirs auprès de ces mêmes peuples-là. L'occasion nous a été donnée, nous savions que nous aurions des faiblesses dans l'organisation de ces processus, parce que c'était beaucoup d'années, plusieurs années après, depuis que nous avions quitté le processus démocratique. Mais nous nous disions que nous devons y donner une certaine volonté pour que finalement cette culture-là commence à s'enraciner dans notre société. Nous sommes allés. Alors, les choix pour le candidat Joseph Kabila, dans la petite historique ici, je viens te dire que le patriarche a visité à deux reprises. Oui, donc c'était une ancienne relation. Oui, c'était Kabila le père est lumumbiste. En 60, lorsque le patriarche amène de Lumumbis vers Kisangani parce qu'il ne pouvait plus rester ici, il allait installer le régime de Lumumba à Kisangani avec d'autres nationalistes. Kabila, le père Mouzé, eux parmi les jeunes qui quittent les Katanga pour rejoindre le patriarche dans la province orientale. Il est dans le parti de Sendwe, un parti un peu tribal, mais c'est comme ça la dénomination, on l'appelait le parti de Balubakat de Sendwe. Donc, Kabila est là, il connaît Gizenga depuis très longtemps. Et pendant que Gizenga est au maquis, il sait que Mobutu ne sera pas parti du pouvoir sans force, sans quoi. Il va voir tous les siens qui sont éparpillés ici en Afrique, et donc Kabila. Et c'est comme ça que quand il meurt, son fils le succède, nous, nous restons avec ces liens qui sont idéologiques. Nous nous disons être le mondiste. Mais encore que dans la pratique, il fallait voir si réellement nous avions encore ces liens-là. Donc, voilà. Et vous avez examiné, ça n'a pris le temps d'un seul mandat, et puis après l'autre mandat, on sent le Palou s'éloigner petit à petit de Kabila, jusqu'au point aujourd'hui de finalement être adversaire politique de Kabila. En fait, le Palou ne s'est pas éloigné de Kabila. Je me dis que c'est Kabila qui a saboté, qui a négligé les Palous. Ça va être dur, mais je préfère le dire. Ouais. Ce n'est pas les Palous. Les Palous pouvaient bien s'éloigner de Kabila dès lors qu'il a vu être un peu menacé, dès lors qu'il s'est senti un peu marginalisé dans la coalition. Parce que nous sommes en 2011. Nous disons, nous soutenons le candidat Joseph Kabila. Aux élections, nous aurons notre candidat en 2016, à l'époque, parce que la législature devait prendre fin en 2016. Nous allons aux élections. Écoutez, comment Kabila et tout son régime vont agir vis-à-vis du Palou? Ils font comme si le Palou n'existait pas. Ils savent que nous n'avions pas eu de bonnes élections avec Ngoï Moulunda. Ils savent. Ils se donnent la part des lions au niveau de l'Assemblée. Ils imposent un président du bureau de l'Assemblée du PPRD, mon grand frère Robin. Ils imposent le premier ministre Matata du PPRD. Et le Palou est là. En tout cas, le Sénat aussi. Le Sénat, ce n'était pas eux, mais... C'était encore Kengo, oui, mais qu'il dirigeait. Oui. Donc, le Palou est là, insignifié, un parti avec de l'ancrage. Ils ont commencé des théories genre, on devait juger le poids d'un parti par rapport aux sièges occupés au niveau de l'Assemblée. Pourtant, tous nous savions que nous avions de mauvaises élections.
on devait aussi tenir compte de l'ancrage populaire de ce parti et de son histoire. Donc, mais le Palou a supporté. Il supportait à des raisons. De un, lorsque vous tenez à quelqu'un, vous devez lui laisser le temps. Peut-être de se corriger. Mais aussi, nous avions un secrétaire général qui était devenu vieux. Nous ne devions pas, nous militants, forcer les patriarches à mettre fin à ces relations. Nous savions ce qui pouvait se passer dans ces pays. Il était vieux, nous devions le protéger. L'État devait le prendre en charge. Vous mettez fin à de telles relations, à de tels partenariats, peut-être on priverait, disons, même les frères pour aller se soigner. Et il mourrait comme... Et voilà, voilà. Nous devions tenir compte de tout ça. Nous sommes restés. Disenga s'en va et Lougui le suit. Nous nous adressons à Kabila pour pouvoir nous aider à régler la crise qu'il y avait chez nous. Quand je dis Kabila, je vois les FCC, je ne vois pas la personne du président Kabila lui-même. Mais non, nos amis du FCC préfèrent finalement nous diviser en deux. Gérer la crise, en fait. Ouais, gérer la crise, nous allons à la fondation, il n'y a pas de solution. Et finalement, ils supportent une dissidence du parti, le Mobi signifié. Alors là, vous allez souffrir de la... du dédoublement. Voilà. C'était finalement une arme à l'époque. Voilà. C'était au fait la même arme qu'ils utilisaient depuis très longtemps contre l'UDPS, contre les autres partis, était utilisée maintenant pour un vrai allié ou un vrai partenaire politique du président Kabila. Ils ont dédoublé les partis en donnant des moyens à ces faussaires, à ces dissidents qui se trouvaient à la 4e rue d'aller organiser le congrès au centre Ngana. Malgré l'interdiction du gouverneur, malgré tout ça, ils vont appeler un peu partout, faire des interventions pour qu'on ouvre ces centres Nganda et finalement tenir ce simulacre de congrès nuitamment. Vous avez déjà vu un congrès des sorciers, c'est comme une pandémie. Ça se fait la nuit et on s'est choisi un secrétaire général de n'importe quelle façon et finalement c'est l'image du Palou qui est. Et c'est avec ce Palou-là que le FCC a préféré négocier. En vous excluant, vous. On nous a exclus. C'est avec ces Palous-là qu'ils ont invité, ces pseudo-Palous, parce que ce n'est pas les Palous, qu'ils ont invité à la retraite de Safari Beach. Nous, ils ne nous intéressaient pas. Alors, nous, on s'est dit, OK, nous allons prendre nos dispositions. De toutes les façons, les Palous n'avaient jamais été un membre actif du FCC. C'était les partenariats avec Kabila, mais le FCC appartenait à Kabila. Et du coup, nous nous trouvions par associativité ou comitativité être avec eux en relation. Nous avions pris alors notre indépendance. C'est de cette façon que nous allons répondre bien présent aux consultations du chef de l'État. Alors, avant d'arriver au niveau de consultation, quel était votre candidat en 2018? Non, dans la présidence. Les PPRD et les FCC nous ont empêchés d'avoir un candidat. Ils nous ont empêchés parce que finalement, c'était une question de négociation. Il était question qu'eux, à leur tour, soutiennent les candidats du Parti Mobi Signifié ou les candidats que le Parti Mobi Signifié allait présenter. Mais jusqu'à la dernière, même les jours que ils se sont choisis Chadari, les patriarches étaient chez le président Kabila. Vous voyez ce vieux-là, à son âge, revenir sans réponse. On ne lui a jamais donné une réponse claire. Le vieux Gizenga. Oui, donc nous nous sommes vus devant un fait accompli et que nous... Nous n'avions pas vu autre chose à faire. C'est pourquoi vous l'avez amené postuler. Oui, nous l'avions amené à postuler. Ça, je préfère l'avouer sur votre plateau, je n'ai jamais été d'accord. Ça, c'était une erreur que Lougui et ceux qui dirigeaient les partis à l'époque ont commis. Ils ont commis une très, très grande faute. Moi, je n'ai jamais accepté ça et je l'assume. On ne pouvait pas exposer les vieux dans ce genre de choses. On ne pouvait pas exposer les vieux aux critiques des gens. Le vieux a déclaré avoir grandi, être devenu vieux et ne pouvait plus continuer à postuler, mais il était en train d'agir politiquement, en train de nous donner les conseils au niveau du parti. Aller l'exposer, aller... Mais tout ça, c'était... Pourquoi vous n'avez pas soutenu Adolphe Mouzito? Mais je vous dis, Mouzito, nous pouvions bien le soutenir, mais qui a commencé à salir Mouzito dans ces pays, vous le saviez? C'est le PPRD. Lorsque Mouzito quitte la primature, c'est son thé qui envoie Jekoko pour le saper dans l'opinion. Et Mouzito est du Palou, mais un tout petit peu opposant de Kabila, alors que nous, nous sommes avec Kabila. C'est là où ils ont commencé. Un peu de l'indiscipline, selon vous. Voilà. Et aussi, au niveau du parti, le PPRD crée ses propres marionnettes. Des gens qui doivent agir pour les comptes du FCC ou du PPRD, AMP ou APMP, tout ça. Là. Donc, nous ne pouvions pas nous accepter nous-mêmes de l'intérieur. Tout ça parce que
il fallait empêcher au Palou de développer des ambitions. C'est là le vrai problème. Alors, donc, si on comprend, tout, on va terminer la phase des accusations. Donc, quand on accuse le Palou d'avoir supporté un Rwandais et l'amener au pouvoir, Kabila, je parle, qu'est-ce que vous répondez à cela? Au fait, nous, le problème, c'est lequel? Nous savons simplement ce que nous avions joué comme rôle. Nous avons fait légitimer Kabila ici au Congo. Oui. Nous avions fait accepter Kabila dans l'opinion. Nous l'avons supporté, même si cela nous a coûté beaucoup d'autres choses. Oui. Qu'est-ce que ça nous a coûté? Beaucoup de militants sont partis. Mais bien évidemment, on parce qu'ils n'étaient plus, voilà, ils n'étaient plus d'accord avec nous. Mais nous, nous étions en train de leur dire que nous ne pouvions pas entrer dans ce genre de débat de nationalité, parce que personne ne pouvait prouver le contraire. Oui. Personne ne pouvait nous dire avec précision que Kabila était un Rwandais. Non, ça c'est vraiment un faux débat pour nous. Mais nous pensions que nous étions au début de la démocratie et que nous, les Palous, qui tenions à la bipolarisation de la classe politique, que nous devions commencer un bloc de gauche avec Kabila pour que les autres membres des sociaux-démocrates ou des progressistes puissent nous rejoindre. Mais il y a un prix à payer. Donc, nous répondions à ces gens-là que voyez ce que nous avions fait, voyez la touche du Palou, voyez la participation du Palou au gouvernement, jugez-nous par rapport à tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez ça? Vous regrettez le soutien que vous avez accordé, amené, apporté à Kabila? C'est de l'expérience. Dans la vie, il faut tout vivre. Il faut tout vivre parce que des partis politiques comme des Palous ont vécu beaucoup d'expériences. Vous ne savez pas, Nzenga a soutenu Tshombe en 1964 pour qu'il soit élu, pour qu'il ait beaucoup de députés. Il venait de sortir de sa prison de Boulabemba où Adoula l'avait emprisonné. C'est Tshombe qui vient, qui le sort de là. Et Nzenga est très populaire en 1964 parce qu'il est le successeur de Lumumba. C'est lui qui fait en sorte, il se promène avec Tshombe dans la ville ici, c'est lui qui fait en sorte que Tshombe gagne ses élections. Parce que tous les militants du Palou à l'époque, tous les autres, vont soutenir Tshombe à lier place des autres, de Kasavubu et des autres. Mais quand Kasavubu, quand Tshombe apprend la création du Palou dans les eaux ici en 64, il arrête encore. Et c'est Mobutu. Donc, nous avons fait des choses que nous avions vécues, que nous connaissons bien, nous en avons de l'expérience. Donc, nous ne pouvons pas regretter, sauf que à de nouvelles générations doivent comprendre que avec des Congolais ou d'autres Congolais de genre, de ceux qui sont dans le PPRD, il faut manger avec des longues fourchettes parce que le PPRD étant une salle d'attente des postes, ils ne pouvaient pas comprendre que des gens du Palou viennent aussi avec des ambitions. Il fallait les étouffer. Alors, qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit que le Palou est un parti tribal? C'est un parti qu'on trouve au Bas-Congo, que l'on trouve, pardon, dans le Bandundu, que l'on trouve un peu dans le Bas-Congo, que l'on trouve aussi à Kinshasa, et puis ça s'arrête là. Dans les autres provinces, en tout cas le Palou, on ne le sent pas. À l'Équateur, dans le Kivu, dans le Kasaï, on ne le trouve pas. Pourquoi? Ça peut se justifier, c'est simple. Oui. Mais déjà là, lorsqu'on parle de Kinshasa, on parle de Bandundu, on parle, c'est déjà plus une seule province. Oui. Et ce n'est plus aussi une ethnie ou une tribu. C'est déjà des provinces et beaucoup de communautés, beaucoup de tribus là-dedans. Donc, mais la non-implantation du parti à travers la République, oui, la République se justifie par un seul point. C'est l'institution de l'impère comme parti-État. Lorsque l'impère est né, le Palou est en exil. Le Palou ne peut plus fonctionner, disait lui-même, en exil. Et finalement, les acteurs, les militants ne peuvent plus se manifester. L'impère a pris combien d'années, vous le savez, pour s'enraciner dans la société congolaise. Et lorsque la conférence va autoriser le multipartisme, le Palou n'a pas eu le temps de pouvoir s'implanter encore à travers la République. Pourquoi? Faute de moyens. Et parce qu'il n'y a pas de sécurité, c'est Nzenga de toutes les façons, c'est Nzenga que la CIA a toujours pensé liquider depuis très longtemps, c'est Nzenga qui est l'ennemi de Mobutu, et le même système est encore en place. Donc il faut attendre, il faut s'assurer, il faut attendre que le temps passe. Finalement, le temps qui passe, c'est Kabila, le père qui arrive, qui vient, qui interdit les activités de tous les partis. Un peu la même chose. Oui, un peu la même chose. C'est différent avec l'UDPS parce que l'UDPS, pendant un père, lorsque le papa, le sphinx, lui-même est acteur, il est premier ministre de temps en temps et son nom est cité alors que le nom de Nzenga est parti depuis 61 lorsqu'il cesse d'être vice-premier ministre d'Adoula en 62 après le conclave de Louvagnon.
Donc, là, Gizenga n'a plus travaillé. Mais les militants sont là. Les partis sont bel et bien là. Il doit être quand même dans un coin du pays pour les garder. Parce que toutes les provinces ne devaient pas être les mêmes. Ça devait partir de quelque part. Les Palous, en fait, c'était un assemblage, une composition de plusieurs partis politiques, dont le MNC de Lumumba, CDA de Bisikiro, Baloubakat de Sendwe et le PSA de Gizenga. Le PSA de Gizenga avait comme bastion les Kwilu, les grands Bandundu et Kinshasa. Alors, lorsque Gizenga va en exil, les Gwenye et tous les autres sont repris par les régimes ici parce qu'ils doivent prendre les pouvoirs, les Sendwe sont éliminés. Et vous voyez déjà que l'axe Sendwe, l'axe de Baloubakat ne peut plus être mouvementé. Mais ceux du PSA qui sont venus avec Gizenga dans Palou devaient garder la flamme. Devaient garder la flamme pour finalement l'allumer à travers la République. Mais aujourd'hui, les Palous ont des députés au Sud Kivu, donc cela ne se justifie plus. Alors, parce qu'il fait que aujourd'hui, les Palous ont des députés dans les Kasaï. Et les Palous, dans sa gestion, a donné du pouvoir à tout le monde, à tous les peuples ressortissants des différentes provinces. Comme vous le savez, il y a eu des Katangé, ministre pour les comptes du Palou. Il y a eu des gens de la province orientale, de Kivu et même de l'Équateur. Donc, les Palous, c'est un parti national, mais de plus en plus, on doit faire montrer cette dimension à toute l'opinion. Alors, aujourd'hui, parce que là, c'était une très belle leçon d'histoire, aujourd'hui, parlons actualité. Le Palou a perdu les élections, on va dire ça, avec du bureau de Mabunda à l'époque. Votre candidat, c'était Thomas Lokondo. Est-ce que Thomas Lokondo était dans, allié de Palou, le vrai Palou, ou Thomas Lokondo était allié du Palou El Kabila? Non. Thomas Lokondo est allié du Palou. Le vrai Palou. La loi électorale que le régime du passé nous a imposé voulait que nous allions aux élections dans les regroupements. Et c'était dans ce cadre-là que Thomas Lokondo, avec son parti, est venu se greffer à nous ou bien avec nous créer ce regroupement Palou et Allié. Le vrai Palou, alors. Le Palou de Gizenga. Le Palou de Gizenga. Oui, le Palou de Gizenga. Nous sommes allés aux élections. Il est député sur la même liste que les autres députés du Palou aussi. Et, tout au début, il s'est bruit avec les dirigeants du parti, dont Lougui, parce qu'il reprochait à Lougui de n'être pas ouvert aux alliés. Et il se déclare être indépendant. Donc, quand il était en train de postuler, ce n'était plus pour le compte du Palou, c'était pour son compte personnel. Et c'est ce qui s'est passé, il a échoué. Bon, maintenant, parlons-en. L'union sacrée arrive. Comment d'abord, vous, les Palous, vous vous organisez lorsque Félix Tshisekedi devient président de la République? Quelle est votre position en ce moment-là? Quand le président Félix devient président de la République, nous sommes les légalistes, nous sommes les démocrates, nous acceptons. Nous les félicitons, le patriarche a écrit, lui a écrit une lettre, et finalement, nous devons nous conduire, mais nous sommes avec les FCC, nous sommes avec les FCC qui est en coalition avec les chefs de l'État. Donc nous les supportons comme étant un partenaire de la coalition. Nous voyons comment il gère, nous voyons son volontarisme politique, en laissant les exilés politiques revenir au pays, beaucoup d'autres ouvertures, nous sentons que le président a cette bonne volonté de pouvoir continuer avec nous. C'est ce qui était plus important. Et finalement, lorsque les problèmes arrivent, le président nous les expose. Le président dit que le pays connaît pas mal de problèmes et qu'il avait besoin d'une cohésion nationale autour de lui pour pouvoir créer un programme afin de résoudre les problèmes qui gangrène la société congolaise. C'est en ce moment qu'il nous invite. Nous allons vers lui, il nous expose les problèmes. Lors des consultations. Très bien. Des problèmes vrais, des problèmes réels. Qu'est-ce qu'il vous dit exactement? Le président nous dit qu'il a fait 2 ans dans cette coalition, mais qu'il il ne peut plus continuer parce qu'il a été élu sur base d'une vision et que dans 2 ans, ou dans 3 ans, il sera obligé de rentrer auprès de ces mêmes peuples. Mais il ne voit pas comment il peut rester immobile sans se donner des moyens politiques pour pouvoir agir. Il accepte bien de continuer
avec les amis du FCC, même malheureusement, ces amis du FCC ont montré, le président n'avait pas à nous démontrer, nous vivions ça, nous tous dans la société congolaise. Vous vous décidez autrement, ils font autre chose. Vous prenez des décisions, j'agis en tant que président, mais on vous sort des notions genre primo-ministériel. Donc, c'est un tout petit peu compliqué, comme si les régimes ou la coalition étaient là pour donner des spectacles au peuple en lieu et place de répondre aux desiderata ou aux attentes même de ces grands peuples. Et à partir de quand vous avez accepté de l'accompagner? Même jour où vous avez pris du temps pour réfléchir? Nous avions dit au chef de l'État que tout ce qu'il nous disait, nous, des principes, quand c'est lui qui a la charge de la grande communauté, vous dit qu'il y a des problèmes de gestion, qu'il y a des problèmes de ceci, nous sommes obligés de l'entendre. Parce que si nous ne répondons pas présent, l'histoire risque de mal nous juger. Vous, les Palous, quand il a crié, pourquoi vous ne l'avez pas accompagné? Parce que le Palou est créé sur base d'un idéal, la sauvegarde de l'unité et de l'indépendance du peuple congolais. Mais comment alors maintenir cette unité et sauvegarder l'indépendance si nous ne savons pas donner au peuple ce qui lui revient? Alors, nous rentrons, nous disons, nous promettons au président que nous allons lui répondre sur base d'un mémo ou un cahier de charges dans 2 ou 3 jours. C'est ce que nous avions fait. Et quelques jours après, nous déclarons, nous sommes parmi les premiers partis à déclarer notre adhésion à l'Union sacrée pour la nation. C'est comme ça que nous appelons ça au Parlement. Alors, l'Union sacrée, c'est un enjeu essentiellement parlementaire. Il faut avoir des députés pour apporter un soutien au président de la République. Aujourd'hui, les Palous revendiquent combien de députés? Écoutez, un député est élu sur la liste d'un parti politique ou d'un regroupement. Dès lors qu'il est élu sur cette liste-là, il le demeure jusqu'à la fin de son mandat. S'il veut quitter, il perd sa place. Donc, le Palou a 15 députés. Et tous ces députés sont du Palou. Qu'ils aient d'autres opinions politiques ou pas, mais ce sont les députés du Palou. Et Palou est allié, je crois que c'est 18 et quelques, dans l'ensemble. Tous ces députés sont donc du Palou, du regroupement Palou et allié. Est-ce que tous ces députés-là ont signé, la pétition? Bien sûr, ils ont signé la pétition. Ils ont voté contre les bureaux aussi? Bien sûr, ils ont fait tomber les bureaux. Ils étaient là bien avant à l'initiative de l'honorable Mouyaya, avait été chargé par le secrétaire. Ah, lui, il est encore avec vous? Lui n'est pas dans le Palou de... Dans le Palou dissident? Non, mais le Palou dissident, ils n'ont pas de députés. Ah, d'accord. Ils n'ont pas de députés, ils n'ont que 2 députés. Mais ce sont des députés du Palou, eux-mêmes, ce sont les députés du Palou. Ils devront obéir à la ligne politique que nous, les partis, nous allons leur donner. Au risque de perdre leur siège. Au risque de perdre leur fauteuil, leur siège au niveau de l'Assemblée. Mais je voulais dire ceci. Je crois que le scénario pour faire tomber le bureau de Mme Mabunda ne doit pas demeurer. Il ne faut pas qu'on fasse une république des députés. La République, elle est composée de tout. Et les partis politiques, ce sont les grands acteurs eux-mêmes de la politique. Le chef de l'État, s'il veut amener à bon port sa vision politique, elle doit se faire, elle doit être soutenue par les partis politiques et non par les députés eux-mêmes. Sinon, c'est compliqué parce que les députés sont des individus. Ils ont des sièges. Les députés sont mieux les partis politiques. Les partis politiques, parce que chaque député politique a un parti politique ou appartient à un parti politique. Je crois qu'il y a eu une politique pour débaucher, afin de faire tomber le bureau de Mme Mabunda par rapport aux tactiques que le FCC a toujours utilisées. C'était bien réussi. Mais maintenant, pour la formation du gouvernement, pour les restes, les chefs de l'État doivent plus compter avec les partis politiques. Sinon, la mauvaise jurisprudence du passé risque de ne pas servir. En faisant quoi exactement? Comment le chef de l'État traiterait avec les partis s'il ne traite pas directement avec les députés? On n'interdit pas au chef de l'État de traiter directement avec les députés. Mais ces députés-là appartiennent à des partis politiques. Il faut alors collaborer avec des partis politiques qui donnent des orientations à leurs propres députés. Ça, c'est mieux. Comme ça, là, les partis lui-même, on n'a pas que besoin que les députés puissent exécuter ce qui est donné comme mot d'ordre. Mais il faut aussi dans la population, dans la société elle-même, que la politique du chef de l'État soit bien comprise. Et ce sont les partis politiques, par des meetings, par des propagandes, qui peuvent relayer le message. Qui peuvent faire passer le message et qui peuvent être là en soutien. Parce que les partis politiques gèrent les masses populaires.
des partis comme les nôtres, ce sont les partis qui sont assis dans la population. Donc, le message que l'on passe à tout moment pour les comptes du chef de l'État est bien capté par le peuple et le peuple accompagne maintenant les élus pour l'effectivité de la politique du chef de l'État. Aujourd'hui, est-ce que vous ne craignez pas que le député soit un peu, le terme va être fort, mais est-ce que vous ne croyez pas que les députés deviennent de plus en plus un peu arrogants, un peu orgueilleux, du moment où ils savent qu'ils parlent directement avec le président de la République et qu'ils n'ont pas besoin de vous, les responsables de partis politiques? Est-ce que pour casser cette arrogance-là, pour remettre l'équilibre et la discipline au sein des partis, est-ce qu'il ne faudrait pas traiter, effectivement, comme vous dites, avec les partis? Comme ça, les partis vont demander aux députés d'exécuter certaines visions. Je crois qu'en ce moment-là, on aura une certaine discipline. Tout à fait. Tout à fait. Au fait, nous ne devons pas sortir du cadre légal. Je l'ai dit tantôt, les députés nationaux appartiennent à des partis politiques et ils doivent obéir à des orientations des partis politiques. Ils sont libres à émettre des votes. Ils sont libres parce que la Constitution leur donne ces droits-là. Mais les partis politiques sont ceux qui gardent mieux cette politique du chef ou qui peuvent bien orienter cette politique au niveau de la société, eux par les députés et par le peuple lui-même. Sinon, les députés ont toujours été, comme vous le savez, mal habitués depuis les régimes passés. Parce que ce sont nos élus, je les respecte bien, mais souvent les votes étaient monnayés. Quand on devait faire tomber un ministre par des motions, quoi là, mais il y a de l'argent qui circulait. Et les mots d'ordre étaient parfois ignorés. Les mots d'ordre étaient parfois ignorés, mais ces mots d'ordre venaient trouver déjà les billets des banques. Donc, quand ça vient, il y a déjà un soubassement, on s'est dit, ben, j'ai une base à réconforter, j'ai ceci, il me faut des moyens. Et là, c'est ça le vrai problème. Si nous voulons vraiment que notre démocratie puisse évoluer, nous devons corriger toutes ces petites erreurs du passé. Alors, revenons maintenant pour terminer dans le vif du sujet. L'actualité, c'est le partage du gâteau, on va dire le partage du pouvoir. Qui, selon vous, Maître Célestin, peut devenir être Premier ministre? Le profil robot, ça doit venir de quel parti? Est-ce qu'on doit tenir compte de quoi exactement? Parlons d'abord du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale. Le 2, selon vous, comment ça doit se passer la répartition et qui doit finalement remporter ce siège-là? Ben, moi, je ne veux pas qu'on subordonne par rapport à cette question. Oui. Les postes au niveau de l'Assemblée est électif. Le président est élu. Le président de l'Assemblée ou le président du bureau de l'Assemblée doit être élu. C'est question simplement que l'union sacrée pour la nation s'arrange, cherche une certaine cohésion autour de tous ceux qui la composent aujourd'hui, autour même du chef de l'État, de tenir compte des partis politiques, je reviens sur ça, de tenir compte des partis politiques qui ont de l'ancrage, qui peuvent facilement influencer, parce que le chef de l'État, dans tout ce qu'il fait, il a besoin d'une légitimité philosophique. Lorsque l'on mène la politique, on la mène pour le peuple. On ne fait pas la politique pour soi-même, pour des théoriciens ou bien pour répondre à quelque chose, mais on fait la politique pour ces mêmes peuples. Le peuple doit toujours accepter ce que vous faites. Il sait qu'à partir des partis politiques, il peut se choisir un bon président au niveau de l'Assemblée qui sera élu par les autres, mais il faut nécessairement savoir dialoguer. Parce qu'il ne faut pas que nous vivions ce genre de choses qui chaque fois nous reviennent, à chaque fois qu'il y a un peu de partage des gâteaux, quoi, même si ça me paraît malsain, ces mots-là, partage des gâteaux. Et il y a des quoi, il y a des départs, il y a des ceci. Non. Mais est-ce que c'est peut-être ça, dans ça, on est dans ce dans quoi on est tombé? Lorsque vous dites les partis politiques, des gens comme Liaou ne vous comprendront jamais. Alors qu'il a un nom qui est cité aujourd'hui, c'est un potentiel président de l'Assemblée nationale, mais qui n'a pas de parti politique. Il n'a pas. Si, il est du PPRD. Oui, mais le PPRD n'est pas dans l'Union sacrée. Lui, c'est un transfuge du PPRD. Oui. Alors, comment ça va se passer? Il doit se chercher maintenant un cadre. Oui. Il doit se chercher maintenant un cadre et avoir des problèmes avec son parti. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est facile de le faire? Bon, l'Union sacrée, ce n'est pas un parti politique. Oui. L'Union sacrée, ce n'est pas un parti politique. Donc, il n'est pas parti du PPRD pour l'Union sacrée. Là, c'est difficile de pouvoir l'attaquer, même devant la justice. C'est difficile de pouvoir l'attaquer. Mais s'il veut assumer des grandes responsabilités, ouais, c'est à lui d'éprouver auprès des instances suprêmes de l'Union sacrée qu'il est capable de pouvoir maîtriser cette chambre-là et de pouvoir
rendre effective la politique du chef de l'État que nous faisons. Mais comment ça va se passer, M. Célestin? Parce qu'il n'est pas d'un parti politique. Disons, il est du PPRD. Mais comment il va faire? Parce qu'à un moment donné, c'est un électron, on va dire un électron libre. Bien sûr. Comparé aujourd'hui le poids de l'IAU et celui de Lutundula ou même Mondo Simba, tout ça, et ce parti-là, ou même le vôtre, votre parti Palou, comment lui peut gagner là où vous, vous perdez? Alors que vous, vous êtes un groupe monolithique, des 15 déjà, si on met l'alliance, c'est 18, vous avez l'ensemble qui a une soixantaine, vous avez le MLC qui a une trentaine, je ne sais plus. Comment ça va se passer? Comment le choix se passe? Ça va bien se passer. D'accord. C'est question seulement qu'on leur mette l'intérêt. Mon frère, voyez-vous, on est bloqué. On est aux arrêts, le pays lui-même est aux arrêts. Depuis presque un mois, deux mois. Alors, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Les intérêts personnels, parce que là, on parle des noms des individus. Oui. Un nom, un principe, tout devait se faire sur base d'un principe. Oui. On devait avoir un nombre de principes que chacun d'eux devrait respecter. Et que s'il y a, un certain critérium, que celui qui répond à ce critérium est celui qui sera choisi, et non des individus. Mais justement, ça peut être l'IAO. Oui. Ça peut être, mais moi, je me vois mal ici donner un avis par rapport à un individu. Alors, parlons du principe. Ouais. Comment ça devrait se passer? Les partis politiques, le regroupement, le leadership, l'ancrage personnel, comment ça devrait se passer? Ben, je crois que je ne veux pas prendre la place du chef de l'État qui est le numéro un de l'Union sacré, parce que c'est à lui la vision. D'accord. C'est lui qui doit déterminer les principes. C'est lui qui détermine les principes, qui dit par exemple que je voudrais que le président de l'Assemblée soit issu d'un grand parti politique. Je ne dis pas qu'il faut que ça soit nécessairement de l'UDPS, non. L'UDPS doit accompagner les autres aussi, doit laisser entrer les autres pour bien mener la bataille. Sinon, il tombe dans la gourmandise du PPRD. Oh, bien sûr. Ça bloque tout. C'est là, je parlais de la mauvaise jurisprudence. La chance du chef de l'État, c'est la mauvaise jurisprudence du passé. Ça signifie qu'il ne faut pas qu'on reprenne les mêmes erreurs. Mais ils doivent quand même, ou l'UDPS, elle doit aider le chef de l'État à pouvoir se faire un très bon critère sur base des principes. Que celui qui sera président de l'Assemblée doit nécessairement répondre à tel autre critère. Et en ce moment, ce sont les critères qui vont définir et non les noms des individus. Finalement, ceux qui seront choisis, même s'il y en a beaucoup, ils sont nombreux à avoir des ambitions, doivent comprendre l'objectif pour lequel ils sont là. Ce sont des élus du peuple. Le pays ne doit pas continuer comme ça. Le pays doit avoir un bureau de l'Assemblée pour facilement investir le gouvernement et finalement espérer à autre chose. Sinon, voyez-vous, on ne vit pas. On ne vit pas. C'est chaque jour qu'on se réveille avec de l'espoir. Il y a une lueur d'espoir avec ce que le chef de l'État est en train de faire. Mais dans la pratique, il n'y a rien parce qu'il n'y a pas un gouvernement pour pouvoir gérer au quotidien les affaires de l'État. Et alors, la primature suivra la même logique? La primature suivra la même logique, mais il faut que ça soit quelqu'un qui a une grande capacité managériale. Le pays que nous avons, c'est un pays de beaucoup de problèmes. Le premier ministre qui gère le pays au quotidien doit beaucoup aider le chef de l'État. Lui-même doit avoir la capacité de mieux comprendre. Parce que c'est lui qui les gère au quotidien. Le chef, il répond aux besoins du peuple, mais le premier ministre, c'est lui le maçon. C'est lui qui est au pied du mur. C'est lui qui cherche au jour le jour les solutions pour ces mêmes peuples. Alors, ça ne doit pas être des noms. Ça ne doit pas être les noms des individus, mais ça doit être des gens capables, des gens avec des capacités qui peuvent bien changer les choses. Sinon, il y a beaucoup de têtes au pays. Il y a beaucoup d'intelligence au pays. Au Palou, vous pouvez aligner qui comme ça? Ben, s'il est demandé au Palou d'aligner, ben, c'est lui qui est chargé d'engager les partis. Les camarades Godefroy Mayobo, avec les autres membres du bureau politique, pourront se réunir pour se décider. Est-ce que Monsieur Mayobo peut être un bon Premier ministre? Mayobo a été le ministre près le Premier ministre Antoine Gizenga. Il a fait du travail à la primature. Lorsqu'il arrive à la primature avec les patriarches, ils ont trouvé les budgets à 800 millions et quelques que nos amis de 1 plus 4 ont laissé. Lorsqu'on a commencé à parler de la stabilité macroéconomique, mon frère, c'est avec le gouvernement Gizenga. Lorsqu'on a parlé de la maîtrise du taux d'échange, c'est avec le gouvernement Gizenga. Lorsque l'on a parlé de la multiplication des salaires, c'est avec le gouvernement Gizenga. Lorsqu'on a commencé avec le début de l'atteinte du point d'achèvement, c'est avec le gouvernement Gizenga.
vous vous souvenez encore que c'est le gouvernement Gizenga qui a été le premier à recommencer à payer la bourse pour les étudiants. Oh. Tous les finalistes. Et c'est Mayobo qui est l'acteur, qui est à côté de son chef, de son père, Gizenga. Mais Mayobo, il est ministre, c'est prêt. Donc, et son rapport, vous vous souvenez encore du rapport qu'il a dû faire par rapport au coulage des recettes et autres choses. Donc, ce n'est pas Mouzito le parrain de tout ça. C'est Mayobo. Mouzito est du Palou à l'époque, Mayobo est du Palou, mais Mayobo est à la primature avec le patriarche Gizenga, Mouzito est obligé. Lorsque Mouzito s'en va, Mayobo s'en va avec le patriarche, Mouzito prend les relais. Il ne fait que la continuité, ce n'est pas lui qui a commencé, ce n'est pas lui, il n'a fait que la continuité, mais l'honneur nous revenait à nous tous parce qu'il s'agissait du Palou. Je ne voudrais pas ici... entrer dans la polémique. Voilà. Très bien. Mais alors, on va terminer ces débats. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer dans la suite, par la suite? Parce qu'on a, on a comme l'impression que l'Union sacrée commence à accuser ce première fissure. Est-ce que Fayulu n'a pas raison de dire que les gens vont se rentrer dedans et qu'ils ne vont sortir absolument rien parce que les gens qui viennent ne viennent pas pour l'intérêt du peuple, mais viennent pour les intérêts de leur propre positionnement? Est-ce qu'on ne tombe pas là-dedans directement? On ne doit pas seulement être dans un état alarmiste de malheur d'un peuple. Mais parfois, il faut venir dire des choses pour le bien de ce peuple-là. Les élections se sont déjà déroulées, nous savons comment elles se sont déroulées. Et maintenant, il faut s'adapter avec une certaine réalité. Même quand on est dans l'opposition, il faut toujours avoir des propositions pour aider le peuple. Et non, tout ce que vous dites, c'est pour montrer les failles de ceux qui dirigent. Parce que finalement, vous attendez quoi? L'échec pour vous représenter au peuple, pour vous accuser encore, être accusateur devant le peuple. Ça, c'est un travail de Satan. C'est un travail, le travail d'accusateur, c'est un travail qui est bien laissé à Satan, pas à un homme d'État. Alors, moi, je pense que les solutions viendront des hommes. Nous sommes là, il n'y a rien qui s'est fait. Rien n'est encore mis en place. Ni le bureau de l'Assemblée, ni le gouvernement. Les chefs sont en train de consulter aussi, politiquement. Les gens sont en train de donner des idées. Petit à petit, les choses vont se mettre en place pour que nous ayons un bureau de l'Assemblée, pour que nous ayons un gouvernement qui va répondre aux problèmes pour lesquels les chefs voudraient résoudre. Alors, lorsque l'on vient à l'armée, lorsqu'on veut dire ceci, on accuse qui? On alarme qui? On alarme ceux qui sont de l'opposition ou bien on voudrait que tous les peuples aillent dans l'opposition contre le gouvernement en place, contre le régime en place, finalement, qui changera notre situation? Justement, parce qu'il y a des députés qui ont séché la plénière au point même de reporter tout simplement la plénière. Je crois que jusque-là, on ne doit pas pleurer. On ne va pas faire les deuils parce qu'il y a des députés qui ont séché la plénière. Donc, on reste confiant. On reste confiant, ouais. Mais on demande aux responsables de ces partis-là de tenir compte des intérêts du peuple. Ils sont là parce qu'il y a une volonté qui a voulu qu'ils soient là. On suppose qu'on ait de bonnes élections, je suppose qu'on ait de bonnes élections et que c'est le peuple qui a vraiment réellement élu ces députés. Ils doivent répondre. Chaque député a son voisin qui est peut-être un citoyen libre. Il n'a qu'à lui poser la question, que pense le peuple? Que veut le peuple par rapport à cette situation? En ce moment-là, ils peuvent eux aussi aider leurs dirigeants, les dirigeants de leur parti politique, pour qu'ils n'exigent pas que des postes. Même si on exige, c'est un dialogue au fait. Vous venez, vous exigez tel poste, on vous dit non, celui-là, nous voulons que tel l'occupe parce que lui, il a payé quand même les prix en partant de là pour nous rejoindre, qu'il prenne ça et nous, toi, tu peux prendre ça, on pourra changer tout ça. Il faut comprendre, il faut être un homme d'État pour comprendre et prioriser l'intérêt du peuple. Aujourd'hui, alors, on va terminer. J'ai dit trois fois, on va terminer, mais on ne termine pas. Mais alors, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on retient de Palou? Est-ce que l'autre Palou a désarmé ou l'autre Palou continue à être Palou? Il n'existe pas de Palou, mon frère Christian. Aujourd'hui, l'opinion ne doit pas être dans une confusion. Il y a eu une dissidence du parti. Ils sont partis, ils ont créé leur parti à eux, je suppose. S'ils ne l'ont pas encore créé, ils auront le temps de les créer. L'État congolais, par les cours et tribunaux, va les obliger de changer les noms de ces partis, d'arrêter d'utiliser les effigies du Palou. Ils sont dans l'Union sacrée aussi? Ils ne sont pas dans l'Union sacrée. Ils ont participé à des grandes réunions, je vous ai parlé tout à l'heure. C'est des gens qui sont dans une portion congrue. C'est des gens qui cherchent comment vivre, comment satisfaire des besoins
Donc, ils vont chercher à faire les yeux doux au chef de l'État, mais dans l'entretemps, ils participent à des réunions nocturnes qui veulent que les choses au niveau de l'Union sacrée ne puissent pas avancer. Mmh. Donc, ils ne sont pas dans l'Union sacrée. Ils sont du Palou. Ceux qui sont députés sont du Palou. Ils sont avec nous. Mais ceux qui ne sont pas députés, qui sont partis du parti, qui sont des dissidents, ils sont libres d'aller dans n'importe quel parti. Donc, il n'y a qu'un seul Palou à l'Union sacrée, c'est le parti de Mumbi Signifié qui dirige les camarades Godefroy Mayobo jusqu'au prochain congrès. Ça sera notre deuxième congrès. Et nous sommes avec le chef de l'État, nous sommes avec tous les autres membres de l'Union sacrée pour la nation pour répondre aux problèmes réels de notre peuple, accompagner le chef de l'État dans la réalisation de sa vision. Merci beaucoup, Maître Célestin Goma. À moins que vous ayez un autre mot, mais sinon, moi, je vous dis merci pour avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire permanent adjoint chargé de la jeunesse et des questions économiques et sociales du Palou, le seul Palou, le seul parti reconnu par l'État congolais. Merci, merci. C'est moi qui vous remercie et je vous présente mes voeux le meilleur. Bonne année. À vous aussi et à tout le parti lumumbiste. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, là, je recevais Maître Célestin Goma. Je rappelle que c'était la première fois, mais peut-être pas la dernière fois. Quand on aura un gouvernement, je l'inviterai encore pour décortiquer le gouvernement, pour essayer un peu de décrypter cette composition-là, et on parlera bien d'autres choses. Donc, dites au parti que le Congo buzz est là. Donc, si vous avez besoin de passer de communiquer ou d'un accompagnement. Nous venons de commencer et ça va être la continuité. Ça sera un grand honneur. Merci. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Plus précisément la carte de Washington. Maman Martinde. Maman Marthe, né, par le bishop, Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso, biloko ya, 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 congolais. On y dit, n'est-ce pas, yo, a sali sa yote. Pour la Corée, la yo, m'a pas la yo. Pour la Mzoto, la yo, m'a pas bonne la yo. Pour la bonne la yo, par le bio. Bio Africa Union. Et toi, t'es un gnosso. Tout à l'heure, on a pas si moi, sinon, on est pas là, sinon, on est là. Oh,